Bonjour et bienvenue à l'émission La parole vivante, cette émission où est-ce qu'on prend la parole de Dieu, et la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a avec nous Jeff Laurent. Salut Jeff. Bonjour Simon. Aujourd'hui, est-ce que ça va bien? Ça continue à aller bien. Excellent. <laughs> Écoute Jeff, euh, on est les deux pasteurs. On rencontre plein de gens. On mmh. rencontre des jeunes qui ont grandi dans des familles chrétiennes, qui, ont des... toutes sortes, qui viennent de toutes sortes de tranches de vie, euh, toutes sortes d'anges, euh, d'arrière-plan. Et probablement, tu es comme moi. Ben, je le sais parce qu'on en a parlé avant, <laughs> avant le début. Il euh, y a beaucoup de gens qui doutent de leur salut. Oui. Et j'aimerais bien qu'on puisse dédier cette, cette émission-là, justement, à ne pas convaincre les gens qui sont sauvés, à pas dé-sauver les gens, mais plutôt prendre, regarder la parole de Dieu pour relever quelques. Quelques, quelques vérités pour qu'on puisse soit se poser les bonnes questions oui. ou soit prendre confiance. Oui, oui, oui tu as raison. Parce que c'est un sujet quand même assez important. Absolument. Parce qu'on a beau annoncer le salut. Maintenant, si quelqu'un euh, veut avoir l'assurance de son salut, je ne parle pas nécessairement de la sécurité. On va faire la différence entre la sécurité du croyant et l'assurance du croyant. Donc, sur notre côté, à nous. Notre côté, à nous, là, les gens, ce qu'ils ont besoin dans la vie, c'est souvent de l'assurance. Oui. Comment je peux être plus sûr? Tiens, comment je peux avoir de l'assurance? Euh, je ne sais pas, moi, face à n'importe quelle situation. fait qu'on va travailler sur ces sujets-là parce que ça, sont très importants. Sinon, quand on devient trop centré sur nous dans le doute, ça peut vraiment vous gâcher une vie, pas à peu près. Bien, ça, ça va nous absorber. On va juste être concentré là-dessus, puis oui. euh, on ne goûtera pas à la grâce rédemptrice que le Seigneur veut nous donner et qui, qui est là pour, pour nous travailler. Et je, je pense qu'il serait bien euh, pour l'émission de. De commencer à... Il y a des gens probablement qui nous écoutent, qui doutent. Oui. Il y a des gens que si on leur pose la question, si tu mourrais aujourd'hui, où est-ce que tu irais qui n'ont pas nécessairement la réponse, qui ne savent pas trop comment ça se dit. Si tu rencontres Jésus-Christ aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dis Comment tu te sens es -tu... Comment ça va Le chrétien convaincu va dire ben, je vais lui dire bonjour, je suis content de te voir, je t'aime, merci de m'avoir sauvé. Et ceux qui ne sont pas convaincus, ils disent, je ne savais pas trop. Puis on va voir pourquoi certains doutes persistent et de ne pas non plus aussi, dans l'autre extrême, avoir une fausse sécurité. C'est ça. T'sais, donc, on va essayer de travailler ces sujets-là aujourd'hui parce que c'est vraiment important. D'abord, on va essayer de comprendre c'est quoi être sauvé. On, parce commande, que, on, on pas commence par le début. On ouais. va parler du salut, d'être sauvé. Et puis, euh, ils vont dire, écoute, on est sauvé, c'est quoi votre affaire d'être sauvé? Sauvé de quoi? On, est, on déclare finalement qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ pour être sauvé du jour de la colère qui s'en vient. Donc, on est sauvé de l'enfer. De l'enfer, de la colère de Dieu, et puis d'être chassé dans les ténèbres pour l'éternité, et ainsi de suite. T'sais, tout ce qui est la description de l'enfer. Donc, on est délivré de cette journée qu'on pourrait appeler la journée de la colère, mm -hmm. du jugement dernier. Oui. Et pour être réconcilié à Dieu, afin de redécouvrir qui est Dieu, et de le redécouvrir favorable à notre égard. Tu utilises un mot, pas « découvrir », mais « redécouvrir ». Parce qu'en réalité, il faut que je refasse une nouvelle découverte de Dieu, parce que j'ai malheureusement dans ma nature humaine une fausse connaissance de Dieu. Parce Comment? que le péché vient teinter toute notre sûr. conception de, de... En fait, on, on se fait un Dieu, bien souvent. On l'appelle le de bien des façons, ou même par rapport au Dieu, c'est teinté. Ouais. Donc, il faut redécouvrir selon ce que la Bible... Dit de lui. Et ça va être une expérience qui va croire tout le long de notre vie. Mm -hmm. Il y a un certain moment où est-ce qu'il y a comme un point de rupture entre ma, mon ancienne vie, ma, mon ancienne manière de voir, et ma nouvelle condition en Jésus-Christ. Donc quand je réalise que je suis pécheur, puis que Jésus est mort et est ressuscité pour moi, puis j'ai dit, je veux, je veux m'associer, je veux être uni à cette, dans ta mort et dans ta résurrection. Et là, c'est ce qu'on appelle... Le point de rupture, il y, y a un gros changement, on appelle ça aussi une conversion. Exactement. À ce moment-là, on peut dire, ben, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, je suis sauvé de l'enfer, et non seulement ça, je suis sauvé, je suis sauvé donc j'ai la vie. C'est ça, puis il faut savoir, on est sauvé de quoi, et pourquoi, et pour qui Parce qu'encore une fois, on est sauvé d'une condition finalement qui va venir sur toute l'humanité, qui est en dehors de Jésus-Christ, mmh. pour être sauvé pour Dieu. Je ne suis pas juste sauvé d'abord pour moi, hein. je suis d'abord sauvé, c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ rachète pour Dieu son Père la création, dont les êtres humains qui ont cru en lui, pour restaurer ce que le péché a complètement détruit. La mort est rentrée dans la création de Dieu. Là, tu touches un, 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 un point super crucial ici, c'est de lui, par lui et pour lui. Exactement. Enfin, d'autres choses. Donc, euh, Dieu ne nous sauve pas premièrement pour nous bénir et nous donner la vie parce qu'on est qui ou il nous sauve d'abord et avant tout pour restaurer son plan initial. Et son amour est tellement grand que d'être sauvé par lui et pour lui, c'est qu'on bénéficie de tout ce qu'il est. Dieu est amour. Ouais. Donc, l'effet secondaire d'être sauvé pour lui, c'est que moi, je me retrouve dans un bonheur absolument inimaginable. C'est là qu'il faut, 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 faut faire attention. Le bonheur qu'on a, la paix, la joie et tout ça, c'est peut-être pas le but. Non. C'est un sous-produit. C'est ça, c'est un effet secondaire. C'est l'effet le, d'être réconcilié à Dieu. C'était le but de cette création. C'était que je puisse partager l'héritage que Dieu donnait à Jésus-Christ, oui. son Fils, et qui maintenant, il nous le donne à nous parce qu'on est devenus ses enfants d'adoption. Et maintenant, on peut célébrer la gloire de Sa grâce. Oui. Oui, oui, oui. Et on commence maintenant dans un monde qui est encore en rébellion contre lui, dans un monde qui est encore sous le règne de la mort. De toute et façon, du péché. Oui, oui. Puis, je veux dire, on pas besoin d'aller loin. Euh, mais on est dans l'espoir de la résurrection finale. Là, en ce moment, on a reçu les prémices de la vie. On a reçu, on pourrait dire, le début de la vie éternelle. Mm. Mais notre corps est encore mort, lui. Tu sais, l'effet que... du corps, ça produit encore une distance entre moi et Dieu que je compense par j'y fais confiance, j'y crois. Et lui, par expérience, il vient nous rejoindre, il nous apprivoise, ouais. mais toujours dans ce corps de mort. Et son esprit, esprit c'est lui qui nous, qui nous prodigue, c'est lui qui, qui vit en nous. C'est ouais. lui qui nous diffuse la vie de Christ en dedans de nous. J'aime illustrer ça à des enfants, puis on va terminer là-dessus segment, ce, ce segment-ci. Ça, c'est un costume. La vraie personne que, que Jésus-Christ a, a formée, que l'Esprit est en train de former en dedans de moi, et qui va vivre pour l'éternité est en dedans. Lui, ce corps-là, ce costume-là, va mourir. Mais en dedans, ça va vivre éternellement. J'ai dit, j'ai commencé dans la pause. Hein? <laughs> Allons-y. On vient après. <laughs> on... Restez avec nous après la pause. On va justement euh, continuer à, à réfléchir sur ce que la parole de Dieu nous dit sur comment je fais pour avoir l'assurance de mon salut. Restez avec nous. Jeff Lorraine nous a quittés. En fait, il nous a quittés mais il est allé rejoindre son sauveur, celui dont il aimait tellement parler. <laughs> Jeff a eu un impact en Afrique, en Europe, en Haïti, au Québec, un peu partout. En fait, Dieu a utilisé cet homme pour laisser des empreintes un peu partout d'évangile, de l'évangile prêché, de l'évangile appliqué, et fort probablement dans vos cœurs aussi. Oh, combien je suis reconnaissant que mon chemin a croisé celui de Jeff Lorrain, parce que Dieu l'a utilisé dans ma vie. Merci beaucoup Seigneur pour cet homme. Bonjour à vous. Oui, euh, il y a quelque chose qu'on a mentionné, que c'est super important de comprendre, Jeff, c'est que même si nous sommes sauvés et que le, ce, ce là extraordinaire acquis par Jésus-Christ a commencé à prendre forme en nous euh, parfaitement, mais étant donné qu'on est imparfait, ça va juste être... On attend la résurrection. La ré... On attend le la... futur. Attend... Oui, oui, parce que ça commence dans une vie brisée. là. Donc, il faut comme euh, que les gens comprennent bien que là, n'est pas en train de juste paleter des nuages. On est très bien conscient qu'on vit dans un corps de chair tenté et euh, ouais. soumis à toutes sortes de tentations et à de faiblesses. Oui. On, on va aller rejoindre l'apôtre Paul qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Comment, ayant reçu maintenant ce, ce pardon, Reçu la vie éternelle, reçu le Saint-Esprit qui vient en nous pour nous habiter et de commencer à nous faire goûter les prémices de cette nouvelle réalité. On va voir comment le programme de Dieu là-dedans. OK? Avec justement, bon, mais comment ça se que dans ma vie, ça va pas mieux que ça? Bon, si je suis sauvé, moi. Mm -hmm. Dans Romains chapitre 5. Ça, c'est une lettre qui est écrite aux Romains. Une église qui avait pas encore visitée. C'est pas lui qui l'a fondée. Mais bref, il envoie cette lettre pour expliquer son évangile. C'est là que Paul s'explique le mieux sur le salut. Au chapitre 5, qui parle donc, après avoir montré que par la loi, c'est évident qu'on est perdu, comment Dieu nous sauve. Là, il va dire maintenant, regardez bien comment le salut va commencer à s'opérer. Il dit étant donc justifié par la foi. Il faisait un contraste avec ceux qui pensaient être justifiés justifié par la loi. Par la loi, oui, parce oui. qu'ils font, ainsi de suite. Il dit non, 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 vous êtes sauvés parce que vous avez fait confiance à Jésus-Christ et à sa mort et sa résurrection. Étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu. Ça ça veut dire quoi Ça veut dire que la guerre qui avait entre moi et lui elle vient d'arrêter. Dieu n'est pas en guerre contre moi, on, on est réconcilié. On est réconcilié, il y a une paix entre moi et Dieu. Et ça par Jésus-Christ, pas par moi, mais oh. par Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi toujours, par cette confiance, accès à cette grâce, Pour un mérite, c'est une grâce. Dieu le donne. Right dans laquelle nous demeurons fermes pourquoi on va demeurer ferme parce qu'on va être tenté de se replier sur nous-mêmes passer de de sauver encore nous-mêmes parce que de nature on a envie encore de vivre pour notre royaume pour notre chair ah, c'est sûr mais Dieu qui nous donne la grâce de notre salut va nous donner aussi la grâce de nous faire avancer c'est ça il dit reste ferme dans cette grâce, ce cadeau que je te donne par Jésus-Christ. Mmh. Fais attention, le test, c'est que tu vas te sentir accusé, tu vas te sentir pas qualifié, et puis tu vas être tenté de reprendre les affaires entre tes mains, puis de dire, oh, moi y arrive, moi y arrive. cest dire, calme-toi, reste ferme dans cette grâce. Et oh, là, on on le... on quoi quoi vraiment précis ici. Là. Dieu dit, reste accroché à la croix. Et je pense que c'est une des choses, on arrive au salut, on chérit la croix, je veux le pardon de mon péché, la résurrection. À on n'a plus rien à perdre. je suis, on se voit pêcheur, on se voit comme, garde, j'ai besoin d'être sauvé, je suis en train de me noyer dans un océan de mes péchés, sauve-moi, on regarde la croix, super Après ça, on lâche la croix. se après parce qu'à un moment, il y une paix s'établit et soudainement, il y a des choses qui vont mieux dans notre vie. Puis là, on se dit, wow, ça marche. Là, on lâche la croix. il y a une épreuve, quand on échoue, parce qu'on va échouer. On va échouer. Et puis là, là on se sent coupable, en disant j'ai tout perdu. Le Seigneur dit, non, tu n'as pas fait attention, tu as vécu un peu négligemment, tu as oublié que tu as une nature de mort encore. Même si pour Dieu, c'est réglé dans ses livres, dans notre vie, nous autres, on est toujours dans ce corps de mort. -là. Bien, et, 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 euh, on, il, il en parle au chapitre 6. Ouais. Justement, on n'est pas besoin d'être, on n'est plus esclave. Nous pouvons rester et nous devons rester attachés à la croix. Et quand on détache de la croix, quand on, on détache de qui nous sommes, de notre réalité, de notre identité, c'est là que tu parlais de doute. C'est là que tu parlais de tomber. Ouais. C'est là que tu... Donc, au salut, on... Et il faut on... rappeler à tout le monde que c'est normal qu'il y ait des doutes. Ben S'il si oui. n'y a pas de doute, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Jeff Laurent a des doutes. Oh, il y en a plein. Bon, et puis, c'est pour ça que je suis dans les Écritures, c'est pour ça que je reviens devant le en disant, Oublie pas, ce sont ta promesse. Et je, je, je reviens pour tenir ferme dans cette grâce. Il faut que je revienne à ses promesses à lui. Parce que je peux pas être ferme à moi-même. Tu si je tombe dans un Trudeau, je ne peux pas me tirer par mes lacets en dehors du Trudeau, moi, là, là. Donc, une, une des caractéristiques, une des façons de savoir si je suis sauvé, c'est que je crois à ses promesses. Il faut que je fasse confiance. Et là, Paul dit, regardez bien comment ça va devenir concret, parce que à date, là, comme souvent ton expression, ça, ça peut être encore pelleter des nuages. Ouais. Hein? On peut être en train de se, de se rêver une vie ici. Là. Donc, il dit, demeure ferme dans cette grâce. Et c'est quoi cette grâce Continue à te glorifier, à te réjouir de ce que maintenant la gloire de Dieu, il va te la donner. Toute cette création, le monde, tout ce qu'il a fait, il dit, il nous le donne en héritage bientôt. Mais pour l'instant, fais-y confiance seulement. Puis là, tu dis, ok, c'est super. Paul dit bien plus. Pour que ça se développe, ça devienne d'une sécurité qui n'est pas palpable à une assurance que je vis, il y a des exercices entre guillemets à faire. Pour que plus puisse être. Pierre l'explique différemment dans sa deuxième lettre, oui. au premier chapitre. Il va dire ici regardez bien, vous n'avez pas le choix dans cette vie que vous allez être affligé. Il bien va On est entouré de pêcheurs. C'est on... inévitable et nous le sommes. Exactement. Quand on rentre à quelque part, déjà là, le trouble commence. C'est ça. On n'est plus pêcheur en position dans, dans le sens séparé de Dieu, mais on a toujours cette nature de mort pareille. OK? Maintenant, ça veut dire qu'il va y avoir des afflictions dans cette vie. Il va y avoir des malheurs. Il va y avoir des trahisons. Je vais être décevant et je vais être déçu. Le Seigneur dit, regarde, on va se servir de tout ça parce que là, c'est fourni, c'est gratos. Ça, ça, vient, ça vient avec <laughs> la naissance. Exactement. Et donc, puisque tout le monde, de toute façon, vit vivre des afflictions, croyant ou non, mais la différence avec le croyant, c'est que ces afflictions-là peuvent devenir un lieu de rencontre avec le Seigneur pour affermir cette sécurité que je ne vois pas à une assurance à cause de ce que je viens de voir. Et si tu veux, peut-être qu'on peut prendre la pause. Je vois sais Oui, parce que ça va être une belle, une belle okay. place de transition. Et puis après ça, on va montrer c'est quoi la sécurité qu'on ne peut pas voir versus l'assurance la, qu'on peut développer dans cette vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'attends après la pause qu'on peut justement continuer à découvrir. Euh... Comment Dieu veut qu'on ait cette assurance-là? Et comment il produit cette vie-là en nous pour qu'on puisse justement saisir ces promesses-là et le vivre selon les promesses? Après la pause, on va justement continuer sur le sujet. Reste avec nous. en savoir plus visitez radioespoir.ca Bonjour à vous. C'est inévitable de vivre dans les afflictions parce qu'on est pêcheurs, on vit dans un monde de pêcheurs. Ouais. Euh, mais là, maintenant, ne, ne... Mais tu vois, ce pas une si mauvaise nouvelle que ça. L'affliction est jamais le fun, là, tu vas me dire, c'est sûr. Mais il y a moyen de. Dieu va récupérer ça pour nous donner de l'instruction, pour bâtir de l'assurance dans notre vie. Je vais te donner une illustration, Parce que je vais t'expliquer si c'est le texte c'est exactement le texte ouais. Quand je me suis marié, il y a quelques années, enfin je pense, 37 ans cette année. C'est ne <laughs> <laughs> Dis pas à ma femme que je me trompe. Donc, euh, quand je me suis marié avec ma femme, euh, j'avais pas une scène. Mm -hmm. Et puis c'était drôle, parce que j'ai dit aux gens, écoutez, si vous voulez nous faire des cadeaux, euh, on n'a pas besoin de casser à la rien, vous pouvez nous donner de l'argent si vous voulez. Tu sais. Parce que je partais faire mon voyage de noces là-dessus. Quand je te dis pauvre comme Job, oh, là, ouais. Job, quand il était pauvre, OK? Ça fait que. Puis ma femme, ça, savait, on, on était. Tu sais, bon. Bref, mon père, dans sa bonté incroyable, il me dit Écoute, j'avais tu n'as pas de bon sens. Il me dit Là, tu vas prendre mon char et puis tu vas prendre ma carte de crédit. Puis là, tu sais, profite-en un peu, là. Puis euh, tu me rembourseras plus tard. Puis, euh, puis -moi, une partie du, du, des frais, moi, il me ça, sera mon, mon cadeau de noces, OK? Il était vraiment sweet, là. Ouais. Ça a été... fait que moi, je pars avec sa voiture et sa carte de crédit. Puis euh, là, je suis là, OK, wow, tiens, mais là, je pense c'est plein. Mais là, là, moi, je suis nerveux de voir l'aiguille baisser parce que je me dis, quand je vais vers la station, c'est pas ma carte de crédit, c'est la carte de crédit de mon père. Mon père, c'est Jacques Lorrain, moi, c'est Jeff Lorrain ou Jeffrey Lorrain, tu vois sais hein? Fait que mon père dit T'as rien qui a signé J. Lorrain, tiens, il n'y a pas de problème. Fait que j'étais sûr parce que oui, il dit Garde, Ça va-tu marcher? Mon père me dit Regarde, c'est ma carte de crédit. Ouais. Si je ne la déclare pas volée, puis si jamais la compagnie m'appelle, moi, je vais dire Oui, oh, oui, tout est correct bon. Tu ne peux pas t'imaginer le stress que j'avais à tous les fois. Il fallait que j'arrête d'une station d'essence pour mettre de l'essence avec la carte de crédit. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le NIP encore. Ouais, ouais. Il fallait que tu signes. Tu vois, c'était. Chichlick. <laughs> c'est ça. Et puis, c'était un défi. Puis je me dis mais coudons, relax. Mais c'était dur pour moi. Mais c'est à force d'arrêter de station en station et de faire de l'expérience que, un, je ne suis pas voleur, c'est mon père qui m'a donné. Mais là, je vis sur, on pourrait dire, la justice sur la carte de crédit de mon père. En Jésus-Christ, c'est-tu quoi? C'est la même affaire. Il ne m'a pas donné le cash dans mes poches, il m'a donné la carte. Et ça, ça va dans son compte. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous sauver? Il dit mets à mon compte toutes tes dettes, je les efface. Maintenant que tu dois continuer à vivre, d'arrêter de station en station parce que ton char va se vider d'essence régulièrement, ça, c'est nos afflictions. Ça, c'est tous les manques qu'on a dans cette vie. Il dit non, tu vas prier en mon nom. Tu vas compter sur ma grâce et moi, là, je vais permettre que tu arrives dans une affliction. Là, je veux que tu restes ferme dans cette grâce que je t'ai faite, que dorénavant, je suis ton Dieu, je t'abandonnerai pas, mais il faut que tu me fasses confiance. Agis pas dans, dans l'incrédulité, en d'autres mots. Agis pas contrairement à ma volonté. De là vont venir les doutes. Parce que de là, tu vas nourrir encore de plus en plus de doutes. C'est ça. Reste ferme de ce que je t'ai promis de m'occuper de toi. Et puis, le croyant, comme pour moi, de... à la fin du voyage, je t'ai bien relaxé avec la carte de crédit. Ça passait. Parce que j'ai développé de l'assurance, d'une sécurité que je ne peux pas voir. La carte de crédit de mon père était la sécurité. L'expérience que j'ai faite de station en station, vivant selon ce qu'il m'avait dit, mon père, me donnait de plus en plus de l'assurance que c'est vrai qu'il n'y a pas de danger de faire le plein de la voiture avec la carte de mon père parce que j'ai sa permission. Donc, c'est pas juste faire confiance pour le salut. C'est de faire confiance dans ce que Dieu me dit que je suis présentement et vivre oui. selon les promesses de Dieu. Oui, pour le salut, mais aujourd'hui aussi. Exactement. Et donc, là, je vais expérimenter des victoires. Je vais expérimenter euh, des défaites. ou est-ce que je, je vais me faire consoler? Je vais vivre. Écoute, tu dis la même chose que l'apôtre Paul au début de sa lettre aux Romains. Il dit, on est sauvé par la foi et pour la foi. Voilà. On est sauvé par la foi et pour ce nouveau mode de vie. Continue à me faire confiance. Donc, je reprends mon illustration, j'ai dit tantôt, je suis sauvé, je, je chéri la croix, je ne veux pas laisser partir la croix. Puis à un moment donné, je commence à vivre. Je dis, oh, put, 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 put. Puis là, je me laisse tenter par plein de choses, par des afflictions, par peu importe. Et là, je lâche la croix, puis là, ça me tourmente. Dieu dit, non, 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 reste accroché. Es, maintenant, es, tu fais partie de tout ça, tu fais partie de cette vie-là. Maintenant, tu es à moi. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on fixe nos regards sur qui nous sommes et sur, surtout en qui nous croyons, il ouais. n'y en a pas de doute. Mais on est capable au moins de les vaincre. Parce que même si on a le sentiment, oublie pas toi, station ouais. d'essence, j'avais le même sentiment, oui. pas être à l'aise, pas bien. Mais papa, il va dire à toi Et Là, je reviens sur la parole de mon père. C'est ben? correct. Même si le garagiste ça va l'air pas gentil. <laughs> C'est correct. Et, donc, quand j'ai des doutes, je peux me rappeler que Dieu me dit Non, non. Ouais. Mon fils a payé pour toi, je t'aime jusqu'au bout. Ouais. Et bientôt, on va être ensemble. Parce que. C'est ça que tu dis ici. Demeurons ferme dans cette espérance. On reste attaché à cette grâce. Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. C'était simple. Crois et tu seras sauvé. Crois et tu verras la gloire de Dieu. On rentre par la foi, on rentre par la confiance. Et comment c'est? C'est simplement qu'aujourd'hui, quelqu'un entend le message qu'on donne. Crois au Seigneur Jésus, crois qu'il vraiment payé à la croix, il est mort pour tes péchés, il est ressuscité pour manifester que la dette est payée. Là, la personne nous écoute en ce moment. Et elle doit se dire, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu peux rien faire. Non, crois. Est-ce que tu veux y croire? Si tu veux y croire, vis en fonction de ce que tu viens de croire. Moi, si j'y crois, que la carte de crédit de mon père... Tu vas aller magasiner avec. Mais là, là, il aller au garage, puis il m'a fait le plein. Voilà. Il osé agir là-dessus. Crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est pour ça que, oui, j'ai voir des afflictions dans cette vie, mais ils vont servir si je continue à vivre et rester attaché à cette grâce. Par la foi... Dieu va manifester sa fidélité de plus en plus et mon assurance va grandir de plus en plus dans un monde où est-ce que je ne peux pas faire confiance à rien. Et j'aimerais ajouter, si je doute, c'est peut-être parce que je n'y crois pas. Si je doute, c'est peut-être parce que je devrais me poser la question et dire, est-ce que je, je m'appuie encore sur ma justice? Est-ce que je veux croire en ce que Dieu me dit? Est-ce que, est que je suis incrédule? Parfois, les doutes peuvent, peuvent être un indicateur que je n'ai pas mis ma foi en Jésus-Christ et je n'ai pas demandé de me sauver. Et de faire confiance en ce qu'il lui, il me dit. Et peut-être qu'il y a des gens à la maison, justement, qui ne savent pas trop. C'est là que ça commence. Ça commence à mettre sa foi en Jésus-Christ et de dire Sauve-moi D'un coup, ça c'est fait. On reste à la même place. Je veux continuer à goûter ta grâce. Je veux continuer à être imprégné de ta parole. Je veux continuer à, 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 à goûter. Ta grâce, la façon dont tu vas me la communiquer par l'Église, par les gens qui sont là, par tout plein de choses. Et, et là, on grandit. On grandit. On grandit en grâce et pour la grâce. Pour en avoir encore plus et un jour goûter totalement et parfaitement ce que Dieu voulait. C'est qu'on soit avec lui pour l'éternité, pour le célébrer. Mes chers amis, pendant la pause, j'aimerais que vous puissiez prendre une grande respiration et réfléchir. Est-ce que moi je suis sauvé? Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous avez mis votre foi en ce Jésus extraordinaire et ce qu'il a fait pour vous? Et après la pause, on va terminer l'émission justement pour se régaler encore une fois de la grande vérité du salut. Restez avec nous. Maintenant, 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Très bonjour. Sachez une chose, c'est que si c'était possible, moi et Jeff, on aimerait vraiment pouvoir vous, vous donner cette assurance-là du salut. Mais on ne peut pas faire ça, Jeff. Non, on peut juste indiquer le chemin que nous-mêmes, on emprunte. Hein? Encore et encore. Encore, c'est sûr. Et c'est dans ce chemin-là qu'on a bâti notre propre expérience avec Dieu. Mmh. Et cette expérience avec Dieu produit de l'assurance. Parce que de la sécurité, encore une fois, qu'on ne peut pas voir, c'est une promesse qu'on reçoit. Encore une fois, la carte de crédit de mon père. Ouais. C'est une promesse. Et, et donc, c'est en faisant l'expérience que je vais découvrir la fidélité de mon père, la bonté de mon père. Euh, vraiment, c'est mon père. Dieu a plus forte raison qui veut nous adopter en Jésus-Christ, qui veut payer notre dette, qui veut donner nous délivrer de, à de la colère hein, qui oui. est juste. Il nous dit, ah, c'est comme dans le sens. Ma justice à moi, ma condition pour prendre mon illustration de mariage encore, c'était que j'ai pas d'argent. J'en ai à peine, le sais, comme je te dis, j'attendais les cartes de, de soi, quasiment. Et puis euh, là, de, de là, tu dis ton père, il dit Non, regarde, fais pas ton voyage là-dessus, tu vas gâcher ton voyage. Hum. <coughs> Maintenant, je te donne ma carte, je te donne ma voiture, et puis profite Avant de faire aussi. un bon voyage de là avec ta femme. Et c'est là que tu découvres non seulement que ça te fait faire un meilleur voyage, mais deuxièmement, ça me fait découvrir mon père encore plus profondément. Je t'arrête, Jeff. Si tu décides Non, non, je vais prendre l'argent dans mon compte de banque, Ben là, j'aurais pas fait un beau voyage. <laughs> Et c'est ça que c'est important que les gens comprennent. C'est que si on, on marche dans le péché, si on s'habitue au péché, si on s'insensibilise, on, on enlève la... on est plus sensible au péché, on. Clairement, qu'on va commencer à avoir des doutes. Si on. on dans l'affliction, que ce soit physique, émotionnel, psychologique, si on regarde notre nombril et ça, ça va pas bien ma vie C'est si, clair qu'on va douter. Ce qu'on est en train de dire, c'est regarde à papa. Ben, c'est sa seule place où est-ce que tu vas vraiment pouvoir prendre vie parce que c'est de là vient ta vie. Mes chers amis, on ne veut surtout pas être, en, être insensible à ce que vous êtes en train de vivre. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre. Mais une chose qui est certaine, c'est que le salut en Jésus-Christ commence à la croix. De dire à Jésus, je suis pécheur, je n'ai rien pour moi, ma justice, ça ne fonctionne pas. Sauve-moi. On regarde à Dieu comme étant la seule solution. Et savez-vous quoi? On fait ça le restant de notre vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, produis en moi cette vie-là. Seigneur, j enlève mes intérêts. Seigneur, j'aime ou telle ou telle chose que je ne devrais pas. Seigneur, je veux croire en tes promesses, que tu es beaucoup plus satisfaisant que n'importe quoi d'autre. Merci Jeff. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.